Mais Mistral n'était pas pucé lorsque Léna l'a trouvé. Ces types étaient en infraction, non? Peut-être, mais qu'ils ne soient pas pucés ne veut pas dire qu'ils ne leur appartenaient pas. Mais ils l'emmenaient à l'abattoir. On ne peut pas laisser Mistral à ces sales types. Peut-être que... Enfin, faudrait voir si... Enfin, certains malfaiteurs volent de jeunes poulains. Dès qu'ils en ont l'âge, ils les testent en compétition. Et s'ils voient qu'ils ont du talent, alors ils leur inventent une identité et les vendent au prix fort. C'est pour ça qu'ils ne les pucent pas tout de suite. Ça expliquerait pourquoi Mistral n'était pas pucé à presque 3 ans. Il a été volé petit. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais si c'est vrai, ça veut dire que leur certificat est un faux et que Mistral ne leur appartient pas. Bien, je vais demander aux autorités compétentes d'aller vérifier sur place. Ça risque de prendre un certain temps, mais bon. Léna, pas d'imprudence. Il suffit de regarder sur Internet. Laissez-moi faire, je suis sûre que je vais trouver. Et voilà, les haras de la fourche. Bah, c'est pas tout prêt. On y va. T'as le lecteur de ton père ?